Drop it. Hey, salut à tous les amis, c'est Jérémy. On se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo. On est les gars tout de suite parti pour le mode pro team avec notre équipe 100% anglaise. On est parti les gars pour deux étapes dans cette vidéo. Donc on a Vaison la Romaine Gap et Ajaccio Calvi. Dans la prochaine vidéo nous aurons ces deux étapes et on attaquera la première étape du Tour de France sûrement. Donc voilà, donc les gars, on va pas s'attarder plus sur le sujet. On se retrouve tout de suite à quelques kilomètres de l'arrivée. Non, pour les objectifs de cette étape. De retour les gars pour les objectifs. Chris Froome ne peut pas de temps son favori. Ok, donc ça sera pas un problème. Donc les gars, je vous retrouve tout de suite pour enfin à quelques kilomètres de l'arrivée, je pense, sur le replat dans la côte. À tout de suite. De retour les gars, on est à 15,5 km de l'arrivée. On est avec Christopher Froome, on est en tête du peloton. Voilà, on roule tranquillement. On va donner le ravito à toute l'équipe. On va attendre un peu. Il y a des Marquis qui est tout seul devant, mais bon. Il sera vite repris quand ça va commencer à attaquer. On vient de passer le panneau de 5 km donc du grimpeur. Ouais. Résiste bien au retour du peloton. L'écart semble stabilisé. Ouais, l'échappée qui semble résister, non mais. J'ai juste à mettre un petit peu le grand plateau et elle résiste plus échappée. T'inquiète pas. Allez, 3 km avant. On va falloir commencer un peu à booster. Hein. Va falloir commencer un peu à booster. Attaque de Joaquim Rodriguez. Attaque de Joaquim Rodriguez. Le punch de Joaquim Rodriguez là. Le peloton est à 2 km du classement grimpeur. Hop. Tout le monde a suivi. Putain, nouvelle attaque. Nouvelle attaque de Joaquim Rodriguez. Tony Galopin qui fait l'effort, c'est cool. On est obligé de prendre le ravito maintenant. On est obligé de prendre le ravito maintenant. Le général, ça va être chaud pour le jouer maintenant. Je sens que Valverde a le maillot jaune. Et là, c'est là que ça fait mal. C'est surtout là que ça fait mal, les gars. On s'en fout, c'est les barrières qui rebondissent, alors on n'avait pas trop d'intérêt. Et là il manque le deuxième du général. Où est le deuxième? Nibali qui est pas mal loin, c'est Nibali. Un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en boss. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Allez, là on va pouvoir se mettre en position aérodynamique. C'est parti. Allez, on passe bien les virages avec Christopher Froome. Compte tenu de ce qu'il a démontré auparavant en montagne et au chrono, c'est un favori logique pour la victoire finale. Non, tu crois que je suis un favori pour la victoire finale? Putain, mais c'est Christopher Froome, ils disent c'est un favori logique pour la victoire finale. Waouh! Normal, je suis Christopher Froome, j'ai gagné le Tour de France en 2015. Allez, allez Christopher Froome, là on a fait un petit écart. On a fait un petit écart. Et si on le tient, ça peut être cool. Ça peut être une victoire. Une victoire peut-être pour Christopher Froome là. Ça remonterait le moral de l'équipe. Et c'est les deux Français qui font l'effort. C'est les deux Français qui font l'effort, ils sont revenus. Ils sont revenus tranquillement. Oups, on a bloqué Tony Galopin. Allez, Christopher. Il y a du mouvement derrière. Oh, la pointe de vitesse pourrie, quoi. Mais la pointe de vitesse est totalement pourrie de Froome. Oh, on fait cinquième. On fait cinquième. Je suis deg un peu. Mais en tout cas, on va se retrouver tout de suite pour les classements. De retour, les gars, pour les classements. Victoire de la Philippe devant Rodriguez, Galopin, Valverde. Et Froome derrière, ok. Adamietz qui fait dixième, c'est pas mal. On remonte 3ème au classement général, mais ça va être chaud pour gagner à l'endroit Valverde.
Donc hop, on passe. Donc Ajaccio Calvi les gars, on va se retrouver directement pour la course. A tout de suite. De retour les gars, 16 km de l'arrivée. Donc je parle doucement parce qu'il est... Alors c'est... Il est 23h26 donc... Je vais essayer de parler un peu doucement quand même. J'ai pas envie de rêver tout le monde chez moi. Donc là, ça roule devant et ça attaque. Attaque de Romain Bordet. Attaque de Valverde ou quoi? Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Hop, allez, on va vite se mettre dans les roues. Tranquillement, on va se mettre dans les roues, voilà. Le peloton est maintenant pointé à une minute. Attaque! Attention les gars, c'est un danger pour nous. Ok, attaque de Purito. Et là ça coince. Là ça coince. Et il faut qu'on revienne avec Froome, faut qu'on revienne avec Christopher Froome. Voilà le classement du dernier grimpeur. Bon, si c'est une descente technique, on n'aura pas trop de mal à revenir. Mais si c'est une descente comme ça, on aura un peu plus de mal par contre. Ah voilà, ça j'aime. Allez hop, on va revenir tranquillement sur eux. Romain Bardet fait partie de la jeune génération. En fait non. On ne revient pas. C'est un bon grimpeur, c'est un bon puncher, et il est préférable pour ses adversaires de le garder à l'œil et de ne pas lui laisser trop de champ. Donc Nibali qui fait l'effort, donc ça c'est cool. Galopin qui me coince quoi. C'est un des favoris de l'épreuve. Mais là ça repart, c'est Valverde qui repart. Attention à lui. Il passe à l'offensive. Mais pourquoi Valverde attaque les gars? Putain, on va encore perdre du temps sur Valverde. Ah ça c'est pas cool ça. Allez, mais roule à 100% aussi, toi. Et on va perdre 30 secondes sur Romain Bardet, sur Valverde, quoi. Alors qu'on roule à fond. Putain, c'est abusé, quoi. Et oui, on va perdre 40 secondes. Putain, wow, ça m'agace là. On va perdre plus d'une minute là sur Valverde, donc ça c'est pas cool. On est très mal parti. Pour gagner, bon en tout cas les gars, on va se retrouver tout de suite à quelques kilomètres. On va se retrouver pour les classements. De retour les gars pour les classements. Et voilà. Voilà un peu la catastrophe. Putain. Wow, je suis dégueu. Bon c'est pas très grave, on se motive. Tout peut se passer. Valverde peut être en méforme, il était en bonne forme, nous on était en forme normale. J'espère que pour l'Alpe d'Huez on sera en bonne forme et lui en méforme. Comme ça on lui met 2023. Bref, on verra bien, ça va être très très chaud. En tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. En tout cas je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, salut tout le monde. Bye bye.